Here we go. Surfeurs tahitiens contre 16 étrangers, c'est le menu des trials, autrement dit des tours de qualification. Les trois meilleurs surfeurs de cette pré-compétition sont invités à partager le banquet du top 44. On attendait une wildcard pour Mano Adrolé, très à l'aise à Tiopo, et c'est finalement Nicolas Litam qui crée la surprise en atteignant la finale. Très combatif, le surfeur de Papara se qualifie en compagnie du Hawaïen Bruce Irons. La troisième wildcard revient logiquement à Hirateri Natofa, le seul surfeur tahitien inscrit sur un circuit professionnel. Sur 10 pour Shane Dorian, le numéro 4 mondial. Même dans une année moyenne, Tiopo offre des tubes incroyables, à l'égal des spots mythiques de Hawaï. C'est mon adversaire qui avait la priorité. Une vague parfaite est arrivée et j'espérais qu'il ne la prendrait pas. Et puis il l'a pas ramée et du coup c'est moi qui ai pris la vague. L'exploit du Hawaïen est d'autant plus remarquable que Shane Dorian surfe backside, c'est-à-dire dos à la vague. J'aime surfer backside. L'année dernière, j'étais en finale ici. Tiopo, c'est sans conteste l'un de mes spots préférés. C'est l'une des meilleures vagues du monde, celle en tout cas qui demande le plus gros engagement.